Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester Dead or Alive 6. Et si je ne sais pas, vous le savez peut-être, mais je n'ai jamais joué à un Dead or Alive. Mais là, il y a un ami qui m'a dit, il y a Hayabusa dans le jeu. Hayabusa, qui est le personnage de Ninja Gaiden. Et je ne savais pas qu'il y avait Hayabusa dans ce jeu. Quand il me l'a dit, je me suis dit, on va tester la bêta ouverte et pourquoi pas en faire une vidéo. J'ai déjà fait des petits matchs pour essayer de voir un petit peu les touches, comment ça marchait. Je les ai fait avec Hayabusa, bien sûr. Alors quand même d'abord, avant de lancer le combat, enfin avant de lancer un combat, allez voir quels sont les autres combattants qui sont disponibles. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs combattants hein, qui ne sont pas disponibles là dans la bêta, mais qui seront disponibles plus tard donc. Et là, en disponible, on a donc Ayane, Ayate, Diego, Hayabusa, donc qui va être le personnage que je vais jouer, je pense, dans cette démo, j'en testerai peut-être un autre. Et Yakatsumi aussi. C'est vrai que c'est assez surprenant de l'avoir dans un film, dans un jeu vidéo, j'allais dire dans un film porno, non, mais c'était moins choquant du coup. La Katsumi dans un jeu vidéo, c'est plus choquant un petit peu. Mais bon, allez. On part donc avec Hayabusa. Donc bon, on peut débloquer des tenues, hein, forcément. On va partir comme ça. Je ne peux pas me combattre. Je suis Hayabusa. Ah bah lui aussi. Combat d'Hayabusa. Je suis Hayabusa noir, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà, voilà, voilà. Non! Oh, il est en train de me mettre cher. Ah, il anticipe mes coups. Ah, il anticipe super bien mes coups, ce bâtard. Waouh, il est en train de mettre super cher. Ah, le bâtard. Ah! Oh, je suis en train de me faire victimiser. Mais laissez-moi donc me battre. Voilà. Bon, frère, on va l'enchaîner. Peu! Nique ta mère! Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Oh, j'ai tenté le petit tacle là. Le tacle! Digne d'un défenseur de Ligue 1? C'est la défaite ça. Ça pue la défaite. Ah ouais, voilà. C'était sûr. C'est pas grave, au moins on a essayé. On va faire encore un petit avec Hayabusa là. On va essayer de faire une victoire avec Hayabusa. Hein. On va essayer d'en faire une au moins. Hein. C'est au moins. Allez, allez, là, on y va. Oh, Ayane! Enchanté, bonjour, madame. Ah, la salope. Elle se défend bien. Mais non. Elle m'a mis un vieux chassé, là. Un vieux chassé. Un chassé. Interception. Ah. Reprise de volée. Tac. Boum. Voilà. Bam. La petite pêche. La petite pêche pour finir, là. Ah non, j'ai raté. J'ai voulu claquer le gros coup. Je l'ai raté. C'est pas grave. Reprise de volée. Bam. Bam. Mitroglou. Bam. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire, Bom? Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis en train de la victime, je suis à fond là. Je suis à fond. Bam. Ah. Calmez direct. Oh. Oh mais. Ok. La meuf elle s'est transformée en Sangoku mais sans pression. Allez, bam. On la termine. Yala! Je suis tout à fait zen. Tout à fait zen. Il n'y a absolument aucun problème, je suis zen. Voilà. On a gagné, c'est tout ce qui compte. Je suis tout à fait zen. Pour l'instant, on a une victoire, une défaite. On va prendre Katsumi. Là. Réfléchis bien à cette phrase. On va prendre Katsumi. Putain, elle est forte! Mais le gros imparfait, imperfect! Oh, je l'ai défoncé! Ouf, je l'ai défoncé comme Jaja, gros! Qu'est-ce que tu dis de ça? Petit tour de magie! Oh, aïe aïe! Ah ouais, gros, mais. Mais ça n'a rien de devenir du Dragon Ball, gros! Ça se téléporte dans tous les sens, là, gros! C'est
ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Et avant, je l'ai mis imperfect, hein, j'ai pas le droit de perdre. Non, quand tu mets imperfect à quelqu'un, le règlement officiel dit que tu n'as pas le droit de perdre. Ah, il m'a enculé. Ouf, je l'ai quand même eu, je l'ai eu. Il m'a fait peur parce qu'il m'a enculé à la fin, là, à se téléporter. Mais c'est pas grave, je l'ai baisé, c'est l'important. Bon, ouais, on va essayer un autre perso, là. C'est en cette période de film Creed, là. Je sais qu'il y a un petit boxeur là-dedans avant que je l'ai combattu, donc je le sais. Apparemment, lui, c'est le petit boxeur de la bande, quoi. Donc, on va aller distribuer des grosses pêches, là. On va aller mettre des grosses droites. Des grosses droites gauche, comme ça. Enfin, voilà, tu m'as compris, quoi. On va casser des nez, on va arracher des mâchoires, on va mettre des pêches. Ok. Bam, des grosses pêches. Allez, ça aussi, c'est pied le boxeur. Mais il met des grosses pêches, sa mère. Oh ouais, il sort les pêches, il sort les grosses pêches, là. Oh, je t'ai raté. Ah. Un enfant. Allez, ferme ta gueule. Moi, j'ai cru que j'étais son ami, mais... Je ne suis pas ton ami. Non mais gros, il va me casser les couilles. Vous voyez, ça c'est le genre de cancer dans les jeux de combat, sérieux, faut qu'ils aillent se pendre. Ferme ta gueule avec mon attaque de merde. Voilà. Allez, maintenant, tu l'as vu celle-là? Ferme ta bouche, putain. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je suis vénère, moi. Moi, je suis comme ça, moi. Je casse des bouches. Vas-y, viens là. Qu'est-ce qu'il y a? Adrien! Bam! Oh, je vais te mettre une grosse pêche. Voilà. Ferme ta gueule. Ferme ta... Putain. Mais quel bâtard, il me bat de nouveau à cause de son vieux spam de mes couilles. Oh non, j'allais le faire mon ulti, elle me l'a mis. C'est elle qui me le meurt, j'allais le faire. Voilà, vas-y, mets-lui la grosse pêche de sa mère. Bam! Ah le bâtard. Je le retiens, celui-là. Ah, je le retiens, ça fait mal au moral. Bon, et eh bien voilà, c'est la fin de cette rapide découverte de Dead or Alive 6, donc de la bêta de Dead or Alive 6. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette découverte rapide. Moi, je vous dis à très très bientôt, c'était Crouch Gaming pour vous servir et à la plus. Ciao tout le monde!